Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très très bien. Alors, je vous fais une petite vidéo pour vous donner des nouvelles de mon bébé chien. Donc, c'était pour vous prévenir qu'elle sort aujourd'hui. Normalement, elle aurait dû rester hospitalisée une semaine et elle sort aujourd'hui. Donc, voilà, y a rien du tout, il n'y a rien d'inquiétant. Même si voilà, le vétérinaire était très inquiet dès qu'elle est arrivée. Donc ouais, on peut parler de miracle de l'univers, de miracle des anges. Je tenais à vous remercier pour toutes les personnes voilà qui nous ont envoyé de douces énergies, voilà des messages, des énergies d'amour, des énergies de guérison et comme quoi que voilà. Quand on prie à plusieurs, quand on émet des énergies dans l'univers à plusieurs, c'est vrai que déjà, c'est plus simple. C'est plus simple et c'est vraiment plus porteur. Voilà, c'est très très porteur. Donc, voilà, je tiens à vous remercier. Elle aussi, elle vous remercie du plus profond de son cœur. C'est juste, voilà, j'ai pas de mots. J'ai pas de mots. Du coup, je vais vous transmettre aussi des petits messages pour vous remercier du petit oracle des anges. Donc, vraiment pour l'amour, la guérison et la protection. Et puis on va voir un petit peu ce qu'ils veulent vous dire. Donc merci, 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 merci. Ouais. Je suis très très heureuse, très très émue et très très émue. Voilà. J'ai fait énormément de prières et toutes les énergies que vous m'avez apportées, je les ai transmises. J'ai envoyé aussi énormément d'amour par télépathie. Je suis rentrée en communication avec elle. Et voilà. Et je lui ai apporté beaucoup d'amour juste en lui disant je t'aime mon petit bébé. Mais voilà. Donc comme quoi, voilà, même si vos animaux, hein, vos animaux de compagnie sont hospitalisés ou autres, envoyez-leur beaucoup d'amour. Même si voilà, vous pensez qu'ils ne vous entendent pas, détrompez-vous. Donc voilà, leur dire des petits mots d'amour, leur dire que vous les attendez bien, bien, bien chez vous. Et voilà, il y a plein de petites choses à mettre en place comme ça. Voilà, j'ai pas de mots, j'ai remercié l'univers, le Tout-Puissant et mes anges gardiens aussi, les anges de la nature, comme on va tirer la carte tout à l'heure. Dans l'une de mes guidances. Voilà. Merci, 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 merci. Et comme quoi, voilà, si on se met tous main dans la main et qu'on est unis voilà, dans l'amour hein, et qu'on se donne tous la main pour émettre des prières, des demandes à l'univers, peu importe quelle qu'elle soit, d'amour, ouais. À plusieurs, c'est plus intense. Voilà, c'est plus intense. Donc merci, 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 merci. Voilà, ça tombe, ça tombe, ça tombe. Alors, bienveillance. Sois à l'écoute des sentiments et des désirs d'autrui. Quelqu'un a besoin de ton amour. Une seule pensée d'amour lui suffira. Donc voilà, c'est peut-être pour un animal, peut-être pour un être cher, quelqu'un qui est dans votre cœur, une personne de votre famille. Mais on vous dit bien que quelqu'un a besoin de votre amour. Et une seule pensée. Ça se dit, en fait, ça se transmettra en télépathie et une seule pensée d'amour lui suffira. C'est très beau. L'archange Michael, on le retrouve encore, il était déjà là ce matin avec nous. Le chemin est désormais sans embûche. J'ai retiré tous les obstacles. Tu peux évoluer maintenant facilement et en confiance. Tu vas réaliser ce que ton cœur désire. Foi.
Ne perds pas la foi. Les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va briller de nouveau. Et moi, je sais que l'univers m'a fait travailler énormément la foi. J'ai toujours la foi. Mais encore plus, voilà, avec mon bébé chien, je sais que j'ai compris. J'ai compris tout ce qu'il y avait derrière tout ça. C'est comme je le dis toujours, c'est que il y a toujours, par rapport à tout ce qu'on vit, hein, les épreuves, le positif comme le négatif ou autre, il y a toujours des... Il y a toujours des... Des... Attendez, ça va revenir. Aidez-moi. Des significations spirituelles. Merci. On vient de me redonner la tête. Donc des significations spirituelles. Voilà, hein. Donc, et on vous dit bien de ne pas perdre la foi. Jamais. Tant que la vie est là, la foi est là aussi. Gratitude. Mais même après. Même après. Ouais, même après parce que... même après. Parce que vous êtes relié à vos proches disparus, à l'univers, au Tout-Puissant. Et voilà, donc ne perdez jamais la foi. Gratitude. Fais de la gratitude ta nouvelle attitude. Ah, bah je l'ai fait cet après-midi. Hein. Tout à l'heure, je l'ai fait. J'ai été dans la nature sans mon bébé chien. Et je l'ai fait, je l'ai fait, je l'ai fait. Ça a toujours été, hein, j'ai toujours été dans la gratitude depuis très 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 longtemps. Mais c'est vrai que bah, des fois, l'univers nous met un petit gros coup de pied. Et voilà, donc on est encore plus dans la gratitude, et encore plus dans la foi et encore plus dans l'amour, l'amour, ouais, l'amour, l'amour inconditionnel du Tout-Puissant et des anges aussi, et, des archanges, enfin voilà, tout dans... Dans l'au-delà. Ouais. Les étoiles vont briller de plus belle sur toi. Tout ce qui existe dans ton monde va devenir lumière. C'est magnifique. Diversité. Le monde serait terriblement ennuyeux si nous étions tous pareils. Et ça, c'est bien vrai. Célèbre ton caractère unique. Tu es spécial et on vous dit que vous êtes aimé. Bonté. Un geste tendre rallume le pouvoir de l'amour. Rappelle-toi d'être bon envers toi-même. C'est magnifique. Waouh. C'est magnifique. Donc j'ai... c'est plusieurs émotions. Hein. C'est de la joie. C'est de la joie. C'est plein... Voilà. J'ai plein d'émotions réunies. Mais en tout cas, gratitude. Gratitude. Merci. Merci. Merci à vous tous. Voilà. 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 Et aussi garder la foi parce que je sais que des fois il y a des choses très très dures hein, qui se passent ou autres. Mais enfin voilà, mettez-vous bien. Alors il y a des personnes qui ont des dons, hein, qui ont des dons médiumniques ou autres, qui sont pas encore, qui ne pratiquent pas ou autres. Hein, mais je le dis surtout pour les personnes qui n'ont, enfin qui, on a tous des dons, mais qui n'en ont pas conscience. Et en fait, on me dit de vous dire que, bah que voilà, on est tous, on vit tous, enfin voilà, on a tous des parcours différents, mais on a tous bah, des vies compliquées, que ça soit dans le enfin, ou qu'on a eu de compliqués, que ça soit dans le sentimental, dans le professionnel, aussi dans le familial, dans l'amical, voilà, les soucis de santé, le stress, les angoisses, enfin voilà, on est tous pareils. Et c'est pas parce que voilà on a un don qu'on est différent des autres. On a peut-être une approche qui est différente et on est tous différents. C'est pour ça aussi qu'on vous dit qu'il faut de la diversité. Il faut tout. Il faut tout, tout, tout. Il faut de la diversité. Il faut des religions différentes. Il faut tout. Il faut tout en fait. Il faut que tout soit diversifié. Tout, 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 tout. Et donc voilà. Et ne jamais. Ne jamais perdre la foi. Et ne jamais perdre la foi. Vraiment, vraiment, vraiment. Et on a tous, voilà, on a tous connu. On a tous connu, voilà. On est tous. On n'est pas. Enfin, voilà, c'est pas.
Personne n'est plus haut, personne n'est plus faible, personne n'est. On est tous pareils en fait. On est tous, mais on est, voilà, on a de la diversité. Voilà, moi je, voilà, je peux, voilà, je peux tirer, canaliser des messages par les cartes, mais d'autres personnes ne le feront pas de cette façon, mais voilà, ils vous dévoileront quand même, voilà, d'autres choses. Et ouais, il faut prendre tout, tout, tout. Voilà. Bon, j'arrête de parler parce qu'on me dit. Transmet les messages. Bien. Lâchez prise. Oula. Attendez. Alors, cela ne sert à rien de chercher à escalader une montagne pieds nus. On vous dit, repars à zéro, lâche tes exigences. Il y a un chemin plus facile. Quand le moment sera venu, ce nouveau chemin va apparaître. Confiance. Tout va fonctionner parfaitement. Nous, tes anges, sont là pour te nourrir, te protéger et te guérir. Aie confiance dans le pouvoir de guérison de notre amour. Nous t'aimons plus que tu peux l'imaginer. Confiance. Aventure. Au lieu de voir la situation qui te préoccupe comme insurmontable, essaie de l'envisager comme une aventure. Explore toutes les possibilités. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup plus que tu ne l'imagines. Plutôt que de voir les choses en noir ou en blanc, essaie plutôt de percevoir les couleurs intermédiaires. Compassion. Quand tu fais preuve, regarde cette lumière avec maman Marie juste derrière. C'est très très joli. Ouais, il y a une lumière. Quand tu ferais preuve d'une véritable compassion envers toi-même, l'univers te répondra automatiquement en te comblant de joie et de chance. Allez, un dernier. Voilà, donc c'était mes remerciements à vous tous. Et voilà, vous êtes tous capables, on est tous capables et... Ouais. On est tous capables. Vraiment. Allez, un dernier petit message. Oh bah dis donc, il y a tout ça. On vous parle de connaissance divine. Ferme les yeux et concentre-toi sur ta respiration. Ressens la paix à l'intérieur de toi. Au-delà de tes pensées réside ta vérité, ton moi authentique, qui est amour éternel. Mystère divin, aligne-toi avec le soleil, la terre, la lune et les étoiles, qui ne font qu'un avec le grand tout. Le mystère divin se dévoile à chaque instant. Sens le pouvoir de l'ici et maintenant. Sois dans le moment présent. Et célèbre les merveilles de la création. C'est très beau. Anxiété. Nous t'entourons de la lumière de guérison de l'améthyste. Prends une profonde inspiration et respire cette magnifique lumière violette. Sens ton anxiété s'envoler. Tu n'as rien à craindre. Il n'y a que l'amour. Destin. Ton destin est de prospérer, de briller, de transformer son cours en un avenir radieux. Et on va se quitter avec ce magnifique message. Voilà, je vous envoie plein d'amour. Merci, merci, merci. Plein de force, plein de courage. Je ferai, de toute façon, je fais des prières pour le monde entier. Voilà, en ce moment, avec tous les événements qui se passent. En tout cas, je vous envoie beaucoup de force, beaucoup de courage, beaucoup d'amour, plein d'énergie, voilà, positive, de guérison, d'amour, de paix, de bienveillance aussi. Et voilà, et je vous envoie aussi plein de belles pensées pour vos animaux,
pour vos familles, pour vos enfants, pour tout le monde, pour vous, pour... voilà, pour tout le monde. Voilà, pour tout le monde et... c'est merveilleux. Je vous aime très très fort et je vous dis à très vite pour les prochaines guidances. À bientôt.